Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Pourquoi cette voiture s'est garée dans mon allée ? Les gens utilisent mon allée pour faire demi-tour. Il y a quelques jours, quelqu'un s'est garé et n'est pas reparti. Ça arrive tout le temps et je ne peux pas m'empêcher de trouver ça irritant. J'habite à la périphérie de la ville, à moins d'1 kilomètre d'une autoroute très fréquentée, et les gens s'arrêtent dans mon allée à toute heure de la journée. Ça me rend toujours nerveux, car je me demande si quelqu'un passe à l'improviste à chaque fois. Je regarde sans cesse les voitures s'installer dans mon allée, puis faire marche arrière et repartir. C'est la nuit que c'est le plus troublant. Je vois les phares traverser les arbres de mon jardin pendant qu'ils sont là. Je me demande si quelqu'un n'est pas en train de scruter ma maison, comme s'il avait l'intention de me cambrioler. Je garde ma voiture dans le garage, de sorte qu'on a toujours l'impression que je suis à la maison. En fin de compte, les gens s'en vont toujours et je me sens désabusé devant leur manque de bon sens. Il y a quelques jours, cependant, quelqu'un s'est garé et n'est pas reparti. Je l'ai observé depuis la fenêtre de mon salon, en jetant un coup d'œil à travers les stores. La voiture restait là, méfiante, au ralenti, juste au bout de l'allée. J'ai pensé qu'ils étaient peut-être perdus et qu'ils consultaient le GPS de leur téléphone, essayant de comprendre où ils avaient raté un virage. J'essaie de ne pas me comporter comme un idiot et de leur laisser le temps de comprendre où ils vont avant de tirer des conclusions hâtives. Mais il était plus de 11 h du soir, et non seulement ils interrompaient mon film, ils avaient également l'air très bizarre dans leur comportement. Lorsque la voiture est restée là pendant 5 minutes, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai levé les stores et j'ai commencé à faire des signes, juste pour voir si je pouvais obtenir une réaction. La voiture a continué à tourner au ralenti, la faible traînée des gaz d'échappement s'élevant dans la nuit froide. Personne n'a allumé de lumière dans la voiture. Personne n'en est sorti et personne ne bouge. Il ne se passe absolument rien. Je reste à ma fenêtre à regarder la scène, me demandant si je devais sortir ou appeler la police. Appeler la police me semblait un peu ridicule, sans même sortir et voir d'abord. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais vraiment pas envie de faire. Je suis allé voir pourquoi ils étaient là. J'ai mis mes chaussures et j'ai enfilé une veste. J'ai également pris mon téléphone pour avoir de la lumière ou au cas où je devrais les aider à appeler une dépanneuse ou quelque chose comme ça. Je me suis dit que le meilleur scénario était qu'ils avaient peut-être crevé, que leur téléphone était mort et qu'ils étaient trop nerveux pour frapper à la porte. Comme je l'ai dit, il était plus de 11 h du soir, et frapper à la porte de quelqu'un à cette heure-là pouvait sembler louche. En dépit de mon bon sens, je suis tout de même sorti. J'entendais le moteur tourner au loin, ainsi que le chant des grillons dans la nuit. Il m'a fallu quelques secondes pour trouver le courage de me déplacer vers la voiture. L'allée est assez longue et il faisait vraiment sombre. Tout semble plus effrayant au milieu de la nuit, surtout s'il n'y a pas de voisins à proximité. J'ai dégluti et j'ai commencé à marcher, tout en gardant les yeux sur la voiture. J'ai activé la fonction lampe de poche de mon téléphone et j'ai essayé de garder un rythme régulier sur le chemin. Les graviers crissaient sous mes pieds et mes paumes commençaient à transpirer. Peut-être était-il ivre et s'était-il endormi ? Peut-être s'agissait-il d'un couple de jeunes perdus lors d'une soirée tardive. Lorsque je me suis éloigné d'1 vingtaine de mètres, j'ai eu une sensation de malaise dans l'estomac. Quelque chose ne tournait pas rond, surtout quand j'ai vu le conducteur derrière le volant. Il me regardait comme s'il était figé. Je ne pouvais que faiblement distinguer ses yeux, un visage pâle dans l'obscurité du siège avant. « Bonjour !» j'ai demandé à voix haute, en essayant de ne pas paraître aussi nerveux que je l'étais, et le plus amicalement possible. Pas de réponse. Le conducteur n'a même pas cligné des yeux. Je me suis encore approché de quelques pas, essayant de voir s'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. L'envie d'appeler la police me démangeait de plus en plus au fur et à mesure que je m'approchais du véhicule. « Vous êtes perdu ? C'est une propriété privée !» ai-je dit. Les traits du visage du conducteur me paraissaient de plus en plus inquiétants au fur et à mesure que je m'approchais. Je ne voyais que ses yeux, son nez. Pourquoi ne voyais-je rien d'autre ? Pourquoi ne bougeait-il pas ? Les phares de la voiture étaient aveuglants. Il était difficile de voir. J'ai commencé à avancer en levant une main pour essayer de bloquer ma vue. Je n'avais pas d'autre choix que de me rapprocher encore plus et d'essayer de passer du côté du conducteur pour mieux voir. C'est alors que d'autres bruits de pas se font entendre. Et la voiture devient de plus en plus bruyante. Le conducteur n'a toujours pas bougé d'un poil. Il ne m'a pas fait signe ou quoi que ce soit. Je me suis rendu compte que je retenais ma respiration, l'anxiété montant en moi au fur et à mesure que je m'approchais. Le conducteur avait l'air d'être une femme, les mains devant elle, tenant le volant. Mais il faisait si sombre que je ne pouvais pas voir ses mains. Seulement son regard immobile. Un fort sentiment d'inquiétude émanait de cette voiture sinistre, et mon corps me suppliait de faire demi-tour et de courir jusqu'à la maison. Quelque chose n'allait pas. Non, ça n'allait vraiment pas. J'ai contourné l'avant du véhicule jusqu'au côté conducteur, et j'ai brandi ma lampe de poche pour le voir. Il ne s'est pas retourné pour me regarder. Il n'a d'ailleurs absolument rien fait. Mes yeux ont lentement calibré ce qui se trouvait devant moi. Et quand j'ai enfin compris, j'ai eu envie de crier. La conductrice était bien une femme, et elle était morte. Ses yeux sans vie fixés sur ma maison, incapable de détourner le regard. Sa gorge avait été tranchée et toute la voiture était éclaboussée de sang. Il y avait du ruban adhésif partout, une bande sur son front pour la maintenir en place, une bande sur sa bouche pour qu'elle ne puisse pas parler, et plusieurs liens serrés autour de ses poignets pour les maintenir sur le volant. Ses mains avaient été tranchées. J'ai aussitôt appelé la police, regardant frénétiquement partout alors que le monde semblait s'écrouler sur moi. Un opérateur a décroché immédiatement, et dans mes divagations terrifiées, j'ai inconsciemment pris connaissance de la scène pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Il n'y avait personne sur la banquette arrière et aucun signe de départ. J'ai commencé à paniquer davantage, regardant dans les arbres et vers la maison, m'attendant à voir quelqu'un regarder. Mais il n'y avait personne d'autre, personne à part moi et la femme massacrée. L'opérateur m'a demandé de retourner à l'intérieur et de verrouiller les portes jusqu'à l'arrivée des secours. J'ai sprinté jusqu'à la porte d'entrée, le bruit de mes propres pas me hantant pendant que je me dirigeais vers le porche. Une fois à l'intérieur, j'ai claqué la porte et les verrouillé, tressaillant à chaque bruit alors que la voix sur l'autre ligne essayait de me faire taire. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. La police est arrivée en moins de 2 minutes. Une voiture d'abord, avec un officier sortant du véhicule, arme au poing. Puis une autre. Puis 2 autres. Les pompiers ont suivi et la sirène hurlante s'est mêlée au barrage de lumière qui a illuminé toute ma maison. Je ne me sentais pas en sécurité à cet endroit, même après que les officiers sont entrés et ont fouillé la maison et l'ensemble de la propriété. Ils n'ont trouvé personne et le tueur n'a rien laissé derrière lui. Les jours qui ont suivi étaient un véritable cauchemar. J'ai dû m'absenter du travail, entre les interrogatoires et mon allée transformée en scène de crime. Je ne pouvais aller nulle part, même si j'essayais. Je n'ai pas beaucoup dormi entre la police, l'avocat et les équipes de journalistes. Je n'ai pas été seul pendant un certain temps. Ils ont tout fouillé. La cave, le grenier, les bois derrière ma maison. Ils ont même regardé dans le vide sanitaire pour voir si personne n'y était caché. Le tueur n'avait laissé absolument aucune trace. Personne ne savait où il était. Il n'a d'ailleurs jamais été retrouvé. Je n'ai pas appris grand-chose sur la femme que j'ai trouvée, si ce n'est que la police pense qu'elle a été choisie au hasard sur le chemin du retour du travail. Finalement, les choses sont revenues à la normale et j'ai été autorisé à reprendre mon travail. C'était un soulagement de sortir de la maison. Même après qu'ils aient remorqué la voiture de cette pauvre femme, je ne pouvais m'empêcher d'y penser chaque fois que je regardais dehors. Le fait d'aller en ville et de retourner derrière mon bureau a été une distraction bienvenue, et une fois que j'ai pu m'occuper l'esprit, il a été plus facile de prétendre que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Jusqu'à ce que je rentre chez moi en voiture hier soir. J'étais à peu près à mi-chemin quand j'ai commencé à sentir une odeur, comme si j'étais passé à côté d'un animal mort sur la route. J'ai essayé de remonter les vitres, mais l'odeur a empiré. Une lourde odeur de pourriture qui m'a donné la nausée. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de ma propre voiture. Lorsque je me suis garé pour trouver ce quelque chose, j'ai regardé sous les sièges et dans le coffre, pensant que j'avais peut-être oublié de la viande crue de la dernière fois où j'étais allé faire des courses. Je n'ai rien trouvé. Et je me suis gratté la tête en vain, jusqu'à ce que je regarde dans la boîte à gants et que je constate qu'elle fuit. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton et que je l'ai ouverte, l'odeur a explosé dans la cabine, accompagnée d'une nuée de mouches bourdonnantes. À l'intérieur de la boîte à gants se trouvait une paire de mains de femme, décomposées et gonflés par le ruban adhésif qui les entourait.